Hey, salut à tous, c'est SNES, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va jouer à Call of Duty, mais pas Call of Duty Infinite Warfare, ce sera Call of Duty Black Ops 3, allez, c'est parti. Allez, let's go, on est maintenant dans les menus de Call of Duty Black Ops 3, et je suis sûr que beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi joue-t-il à Call of Duty Black Ops 3 alors que Infinite Warfare est sorti, j'allais dire Advanced Warfare, mais non, Advanced Warfare, c'était avant. Donc tout simplement, je n'ai pas choisi ce Call of Duty Black Ops 3, tout simplement parce que, il me tentait pas trop et on va dire que je trouvais vraiment assez cher. Attendez, je lance une petite partie. Je vais créer une classe, ça fait très longtemps. J'ai rejoué l'autre jour, franchement ça m'a fait du bien. Allez, vous savez quoi, on joue avec le Weevil standard, on va mettre une petite démolition. Et donc honnêtement, faut dire... Ah putain, j'ai trouvé une partie. Ah, Breach, j'aimais bien. Faut dire ce qui est, franchement, il me tentait vraiment pas. Il me tentait vraiment pas et il était très très cher. Enfin oui, parce que moi je prends le season pass et tout, enfin il est à 120 balles, etc. Je trouve qu'ils abusent un petit peu, ça devient cher. Honnêtement, si Modern Warfare aurait été vendu séparément, je l'aurais acheté à coup sûr. Mais je trouve ça dégueulasse de vouloir nous vendre Modern Warfare, etc. Si on veut, enfin comment dire, si on veut Modern Warfare, d'être obligé d'acheter Infinite Warfare, je trouve ça dégueulasse de vous obliger. C'est une technique commerciale, mais bon, ça n'a pas marché sur moi. Je suis sûr que ça marchait sur beaucoup de personnes, mais bref, moi j'ai trouvé ça dégueulasse, du coup j'ai pas voulu le faire. En tout cas, j'ai regardé pas mal de gameplay d'ailleurs, de toute façon quand les youtubeurs étaient à l'E3 etc, qui sont partagés du gameplay, j'ai regardé pas mal de vidéos et franchement, ça a confirmé mes doutes, ça a confirmé tout ce que je pensais. Il ne m'attire vraiment vraiment pas, il est trop futuriste à mon goût, moi j'adore les Call of Duty modernes. Mon préféré c'est le Black Ops, c'est Call of Duty Black Ops 1, après je kiffe aussi Modern Warfare 3 etc. MW2 il était aussi pas mal. Mais là ça devient trop futuriste, franchement je trouve qu'Advanced Warfare c'était la limite de chez limite. Black Ops 3 franchement, malgré qu'il est un peu futuriste avec des armes qui n'existent pas trop, il est kiffant quand même, de temps en temps une petite partie il est kiffant, franchement. Mais moi c'est sûr qu'Infinite Warfare je l'achèterai pas, à moins que honnêtement, bon ça arrivera pas, mais à moins qu'on me l'offre. Je pense que je l'achèterai pas. J'ai redécouvert l'autre jour, j'ai joué un petit peu avec, franchement ça m'a fait plaisir. Donc on est 4 contre 3, ça va plus y avoir beaucoup de monde. Et du coup ouais, en plus je me suis dit ça va peut-être faire plaisir à certains, parce que là beaucoup de personnes proposent du Infinite Warfare. Donc je me dis que... Merci. J'ai réparé ça. Ah putain. Je me dis que... Vu que beaucoup de personnes proposent une Infinite Warfare, attendez, j'aime bien me mettre droit parce que là je suis un petit peu affalé, c'est pas bien, je suis pas concentré. Donc, vu que pas mal de personnes proposent une Infinite Warfare, moi je pense qu'avec. Oh là 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 là! Attends, laisse-moi me remettre! Je pense que moi avec du. Putain, ils ont des âmes. Je pense que je pouvais. Ça pourra faire plaisir peut-être. Parce que vu que personne propose du Black Ops 3. Faut me la mettre. Hein. Allez les gars. Bon, jamais. Je pose, couvre-moi. Non, t'es pas sérieux, comment? Ah d'accord. C'est lui qui m'a buté. Bon allez, on va défendre B. Là, je fais pas une très bonne partie. Faut que je me concentre. Charge en place. Ok, lui il est un petit peu lourdeau là, je suis en 2-4, c'est pas du tout bon. Je remonte. Je vais ramasser son KN. Je vais couvrir A. J'ai un feu sur l'angle, c'est dégueulasse. Bah, c'est n'importe quoi quand même, il m'a couché hyper vite alors que je lui ai ramassé son arme et j'ai le premier shoot. C'est tout ça qui est ouf. C'est que j'ai le premier shoot. Et je touche en premier en plus. Putain, je savais qu'il y avait quelqu'un. Je le savais. N'empêche, franchement, c'est kiffant de rejouer un petit peu à un Call of Duty, on va dire. Je t'ai vu.
Et il a pas parti des âmes la bombe? Oh, j'ai pas de chance, il arrive au même moment. J'ai pas de chance. Par contre, les gars, faudrait se mettre d'accord là sur quelle bombe on va se mettre. Oh putain, il m'a stun. Ah, me pardonner, parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas joué à Call of Duty. J'ai rejoué une petite partie il y a une semaine, mais... Drone allié en approche. Ah putain, ah, ça commence à me saouler. Colis stratégique allié en approche. J'ai l'impression que mon arme a fait rien. Carbonisation. Putain, je savais que ça allait arriver par derrière, mais bon. J'ai essayé de sauver la bombe, essayé de sauver ceux qui posaient la bombe. Là, on va dire, franchement, je suis en 12-9, je fais une très mauvaise partie, franchement. Bombe désamorcée. En fumée. Charge en place. Allez, let's go, les gars. Gardien allié déployé. On en approche. Ça arrive de partout, il y a un mec au loin qui me veut viser, c'est casse-couille. Allez, faut qu'elle pète. Faut qu'elle pète, faut qu'elle pète, faut qu'elle pète. Menace neutralisée. Bon débarras. Ennemi HS. Bon, ça, je remonte un petit peu. Pour la prochaine manche. Heureusement, j'ai jump shoté. Hein. Changement de côté. Franchement, ah oui, putain. Franchement, ils se sont bien battus parce qu'on était deux, on était deux de plus. Et bon, je pense qu'ils sont arrivés sur la fin, mes deux alliés. Bon, on était deux de plus et. Bah on a galéré quoi. En plus j'ai mon... Non non putain il commence à me péter les couilles là sérieusement. Attends, fais voir. Ah, et voilà bah oui c'est lui qui a le premier shoot. Enfin, on va pas reparler de ces histoires là mais bon. Moi c'est pour moi... Hein mon allié il est passé... Attends attends attends. Y'a un allié qui est passé lui a rien fait et moi il me tire dessus. Eh, je suis choqué de chez choqué là, c'est une grosse blague, c'est pas possible. Je me fais. Waouh. Genre, je crois que je vais changer d'arme parce qu'en fait, hein. C'est plié. Colis stratégique allié en approche. Drone allié en approche. Prophète mort au combat. Batterie reprise. J'ai eu chaud, j'ai eu chaud. Menace neutralisée. Cible abattue. Ah, il s'est suicidé du coup. Il s'est suicidé. Vite.
Ils veulent plus passer par là? Colis stratégique allié en approche. Le temps est presque écoulé. Ils sont sérieux? Ils veulent même plus passer par là? Gardien allié déployé. Charge. Vite, je désarme, j'ai eu chaud. On envoie tout. Hop là, oh putain. Ah, il y a aussi un mec à les raps. Bon, c'est bon, on a gagné. Allez, allez. Yes, on a gagné. Bon, ça va, je suis remonté en fin de partie. Au début, je me suis un petit peu malmené, mais ça, j'ai réussi à remonter. Ça faisait longtemps, faut que je m'y remette, franchement, faut que je m'y remette. Mais c'est vrai que ce serait un gros kiff de kiffer, de tester Modern Warfare. Remasterisé. Et bah donc voilà, c'est tout. En tout cas, dites-moi, tiens, voilà. Si vous avez Infinite Warfare, dites-moi ce que vous en pensez, franchement. Ça m'intéresserait vraiment de savoir si je me suis trompé ou pas. Si ça se tombe, il est peut-être bien, mais bon. C'est vrai que moi, j'aime pas trop le futur. Après, comme j'ai dit, je le trouve assez cher, etc. Vu qu'il faut payer deux jeux. C'est un petit peu embêtant. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, je vous invite tout simplement à liker la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Et si vous voulez d'autres vidéos sur Call of Duty Black Ops 3, dites-le moi dans les commentaires. Hein, pas de soucis. Aussi, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez d'Infinite Warfare, comme je l'ai dit, parce que moi, je l'ai pas testé, etc. Ce que vous en pensez, si vous l'avez, etc. S'il est bien ou pas. Peut-être ça me permettra de trancher, peut-être de changer d'avis, on ne sait pas. En tout cas, moi je dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde. Hey, salut à tous, c'est SNES. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous savez ce qu'on va faire? On va jouer à Rainbow Six Siege. Allez, c'est parti. Allez, let's go, j'ai trouvé une partie, attendez. Je vais choisir vite sur mon dame, je sais pas qui choisir pour moi, vas-y. On va prendre Termite. Il y en a un qui fait chier avec son micro. C'est insupportable, putain, il branle quoi le mec? Non, c'est pas lui. Ah, c'était lui. Putain, waouh. Bon, alors, oui, je vous l'ai pas dit, mais je me suis acheté Rainbow Six Siege. C'était l'édition collector, l'art du siège. Elle était en promotion, je me suis prise. Enfin, je sais que le jeu est sorti, on va dire, ben, ça fait un an presque. Oh.